Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Marvel Midnight Sun, on va reprendre notre aventure. Alors je baisse de plus en plus le son, alors ce que je comprends pas, c'est que depuis que j'ai changé mon micro, vous savez, j'ai baissé le son du jeu. Oh, non, j'ai réaugmenté le son du jeu parce qu'on n'entendait plus du tout le jeu. Je l'ai réaugmenté, donc j'ai remis quasiment à fond et tout. Et petit à petit, je me rends compte que le son est trop fort. Alors je me dis, bon bah à la vidéo d'après, je vais baisser de 20%. Je baisse de 20%, je me rends compte que le son est toujours trop fort pour le jeu comparé à ma voix. Et je me dis, bon bah je vais baisser. Et en fait, je suis quasiment retourné aux paramètres que j'avais de base. Et c'est étonnant parce que on a l'impression que mon casque et mon micro se sont adaptés, ou alors que le jeu s'est adapté. Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'était clairement moins fort sur une des vidéos, et on voit l'évolution sur les vidéos, mais pas sur. Et le jeu, je suis en train de baisser à chaque fois, quoi. Très très louche. Donc espérons que ça soit pas trop fort cette fois. Alors c'est pas excessivement fort, mais je pense que pour ceux qui ont vraiment l'oreille sensible, ils ont tendance à vraiment prendre le plus bas des deux, c'est-à-dire soit le son qui est trop fort, soit ma voix qui est trop forte, et puis ils se mettent à l'aisance auditive du plus haut des deux, et du coup ils entendent moins bien le second. Et quand c'est ma voix qu'on entend moins bien, bah c'est pas cool. Mais évidemment ils peuvent pas non plus augmenter pour entendre bien ma voix et avoir un son horrible dans les oreilles, je peux comprendre, hein. Donc voilà, je vais réduire au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois satisfait. Espérons que pour vous ça aille aussi. Voilà. Alors, Logan. Ah, c'est le Blade, Barguest. bonjour. C'est l'autre. Blade, hein? Ah, mais pas autant que tu m'aides à la débûcher. Pas de problème. Da. On aurait peut-être dû faire les trucs avant. Vas-y, mon Où chien. est-ce que t'as trouvé ce chien, en fait? On n'en voit pas souvent des comme ça dans les refuges. C'est une longue histoire. On a le temps. Quand j'étais plus jeune, Lilith envoyait régulièrement ses enfants attaquer les défenses de l'abbaye. Je m'entraînais avec Agatha et Caretaker en éliminant tous les monstres qui traînaient autour du périmètre. Un jour, une meute entière de chiens de l'ombre a essayé de passer le portail. Ils n'avaient aucune chance contre nous. Et quand la fumée s'est dissipée, il y avait Charlie, la seule survivante. Tu n'avais pas le cœur à finir le travail? Je ne sais pas ce que c'était. Quelque chose dans le regard qu'elle m'a lancé. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Elle a dormi au pied de mon lit la nuit suivante. On dirait que t'as trouvé une amie pour la vie. Ok, le voilà. Le portail est resté ouvert cette fois. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Je propose d'y aller et de lui botter le cul. Ça ressemble à une embuscade. Allons-y. Assez longtemps pour voir cette chose vous filer sous le nez. Et du coup, tu préfères bouder dans ton coin ou tu viens nous aider? Je m'en fais ça pour rien. Bon sang, la chose s'est échappée. Tu penses à ce que je pense? Hunter, attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ce portail ne va pas rester ouvert très longtemps. La créature que vous chassez, je crains qu'il ne s'agisse d'une expérience d'Hydra, voire pire. Le Barguest? Je pensais qu'il s'agissait d'une créature mythique. J'ai du mal à croire que cette bête sorte des pages d'un vieux livre. Non, il y a une autre explication. Nous avions l'intention de l'abattre, peu importe d'où elle vient. En fait, j'aimerais beaucoup que vous me l'apportiez vivante. Elle pourrait nous apprendre énormément de choses. Ah, ça c'est comme dans XCOM. Ouais, ramenez-moi des spécimens vivants. Hein, quoi? C'est déjà pas assez difficile de les tuer, il faut qu'on les ramène vivants. C'est une éternité que j'avais pas bu un panaché. Sympa, hein. Alors, les revenants comptaient de la. Ah, c'est les revenants qui ont amélioré, ils contrôlent le Barguest. Je savais bien qu'elle se cachait derrière tout ça. Toutes les Bon, du coup, on n'a rien préparé alors. Vous voulez dire que notre On a toujours les items à la con. Juste ça. Ça, c'est un Hydra, ça, c'est un Hydra.
Ouais, on peut pas vraiment utiliser les items. On a un vire-lame. Ah oui, toutes les cartes héroïques coûtent 0 tour 1. Donc on peut faire un petit vire-lame dans le tas là, si on a envie. Oh, là, il y a beaucoup de dégâts, je cherche même pas trop. À moins que je pousse elle. Ouais, non, je préfère elle. On pousse le chien là-bas. Lui là, lui là. Ouais, ça me va. Ce sera rapide. Beaucoup de dégâts. Pour une carte d'attaque qui coûte 0. On va contrôler un de ces trucs pour qu'il mette saignement quelque part. Mais faut pas que ça soit sur un sbire. Des walkers, on peut faire saigner. Comme ça, on n'a pas besoin de contrôler. Ouais, ok. Parce qu'on a un des walkers gratuit. Avec 1 million de saignements. On peut aussi tuer lui. Ces fanatiques se ressemblent tous. Je sais pas sur qui ils vont taper, mais je pense que c'est le dernier qu'on a touché, ou alors le premier. Sur l'agent d'Hydra, sur agent d'Hydra, ok, on est bon. On va repiocher pour une résistance sur Blade. Plus un déplacement durant ce tour. Alors, qui va prendre? C'est Hunter qui va tout manger là. 3 attaques, dont celle de la sorcière. Ça fait mal, hein, la sorcière, elle picote. Hein. Il y a aussi un chien qu'on n'a pas tué là-bas, c'est juste un sbire. On peut faire exploser cela. Ça enlèvera toujours une attaque. Et il faudrait pousser lui. Je vois pas où on peut le pousser. Bon, au moins les deux gros s'attaqueront pas. Ouais, celle-ci elle fait beaucoup trop mal. Si elle tape en premier, ça irait dans la résistance. Et si c'est le chien en premier, on va prendre cher, mais. Ouais, les deux chiens. Un chien plus le pousser, ça devrait tenir. Hein. Ah, on aurait pu faire tomber ça sur leur tête. Oh là là, les dégâts, incroyable. Ça sur le chien. Ah, c'est le Vargas ça. Ok, oui. Ok, on peut rendre invisible Hunter hein, si vraiment on n'a pas envie de prendre les coups. Mais on perd l'objet définitivement cette fois-ci. La tamée, on en a pas besoin. L'effigie, c'est bon. Ouais. Non, je pense qu'on peut encaisser. On va pas s'embêter. On va repiocher un truc. Guérison après repioche. Restaure 63 points de vie après repioche. Guérison sans repioche. Mais ça, on va le virer, je crois. Hop. Parce que il prend rien là, notre copain. Et Blade non plus prend rien. Ok. Ah ouais, c'est tout dans la gueule de Hunter. Dommage, c'est le petit qui a attaqué. 412. Ah oui, c'était le Barguest l'autre. Ouais, donc en gros, si c'était la sorcière ou le Barguest qui attaquait. On tombait pas, mais vu que c'est le chien, le petit chien qui a attaqué, on tombe forcément. Ah, c'est con. Ouais, c'est con que la résistance ait été bouffée sur une connerie. Mais merde, on a perdu Hunter là. On aurait dû mettre Logan d'une manière ou d'une autre avec le machin. Wow, on s'est foiré, mais bêtement, hein. Franchement. On aurait pu taunter les chiens, on aurait pu tout faire. Beaucoup, mais essayez quand même de me ramener cette créature en un seul morceau. Je vais avoir besoin de l'étudier. Bon, il y a du saignement là. Moi qui pensais que l'homme-chose était repoussant.
Ok. Bon fatal, renforcement intégral. On a un taunt sinon. Et on peut taunter, alors lui tape sur sa copine et elle tape là-bas. Et le chien il tape sur Blade qui a de la résist. Logan il en a pas. Ouais mais Logan il régénère. Et ça mettra faiblesse et taunt sur le Barguest. Parce que le Barguest c'est possible qu'il ignore le résist aussi. Hein. Oh, j'arrive pas à croire qu'on est on ait saboté le Barguest. Les cartes d'Hunter. Oui, il suffit de faire une petite erreur et la bataille, c'est pas la même. Hein. On va défausser. Non, le combo, c'est Blade et Logan, donc ça va, on a de la chance. On va défausser ça, par contre. Et on va pousser le Barguest contre la méchante. Et on va pousser le Barguest contre la méchante. Pas de débat, hein. Et on va laisser les autres encaisser parce que tout va bien. Prends-toi une chiche et elle va se prendre une autre attaque. Et elle va prendre le saignement, normalement elle est morte. Le saignement va peut-être la tuer. Sauf qu'elles sont liées les bestioles. Ah oui mais là à chaque fois on les taunt. Donc elles sont pas liées avec le Barguest par exemple. Elle est pas morte du saignement, d'accord. On pourrait pousser la grosse dans le trou alors. Ok. Ah, on l'a envoyé dans le trou. C'est Tony qui t'a soufflé ça. Ou t'interroges-tu réellement? Je suis juste là pour m'assurer qu'aucun chien innocent ne soit blessé à cause de vos théories. C'est un sacré coup. Regardez bien. Quelle était. Tant que ça fonctionne. On peut l'interroger. Oh, excellent. Excellent, un interrogateur gratos. D'une manière ou d'une autre. 39 infos, c'est pas mal. Qui va prendre le coup? C'est Blade, il a de la résiste. On peut faire le combo héroïque sur le machin. Il a pas de saignement. ...50% par frappe. On a raté 3 fois et on avait 25%. Non, mais vous allez dire qu'on a raté 3 fois 50%, 3 fois 25% là? Je n'y crois pas trop, hein, à cette arnaque. Bon, on va avoir besoin de soins si jamais il ignore. On aura besoin de ça. Ça, c'est pour taunter. On n'a pas besoin d'autant de trucs, hein. On va virer les vis. Comme ça, on régénère le Logan. L'implacable... on n'arrivera pas à éliminer de toute façon avec ça. Les prêts tout table, ok. Non, le résist fonctionne. Ouais, donc on serait pas mort tout à l'heure si on avait tué le petit. J'ignore ce que Tony a raconté à tout le monde. Mais le Barguest est un esprit de mort. Une entité démoniaque qui a probablement ôté la vie à de nombreux innocents. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de mauvais chien, seulement de mauvais maîtres.
Je pensais que vous, au moins, auriez compris la vraie nature du problème, Locke. Je ne connaissais pas ce coup-là. Faudra m'apprendre comment faire. On va remettre un grip redoutable. Juste. 1700, 1600. Juste pour qu'il ait la vulnérabilité le tour d'après. Comme ça, il en a deux là. En plein dans le mille. Joli coup. Oh, il est loqué sur Logan là. Hein. Mais il le tuera jamais. Guérison après repioche, on n'a pas besoin. Alors là, on récupère, mais il y a une terre là-dedans, donc on vire ça. Et la frappe. Ah, j'arrive pas à croire qu'on ait pas mis de saignement. Là, il va pas prendre de dégâts, donc on vire le pieu. Ça, tu m'as pour payé. À ce stade, j'imagine que nous avons tous assez vu le Barguest en action pour savoir de quoi il est capable. Un peu méchant, mais pas plus que les autres. Oui, il a peut-être peur des intrus indésirables. J'attends toujours d'autres propositions pour franchir la barrière. Si quelqu'un a une solution qui n'implique pas le Barguest, je suis tout ouïe. À nous deux. Je fais le combo, tant pis, hein, pour le saignement. Tout à l'heure, il est pas passé. Lui aussi, il a la classe quand il fait ses trucs, hein. Bon, il n'y a pas de renfort. Hein. Alors, on se met de l'armure. On peut le tabasser un peu. Oh. Oh, c'est tout. Logan, ouais. On a des points, on va les utiliser. On a plein d'héroïsme qu'on va pas se servir vu que Hunter elle est pas là. Même ma grand-mère sera plus fort que ça. Ouais, alors je veux pas la voir. Vous pouvez avoir l'amabilité de vous remuer un peu. On fait de notre mieux ici, Doc. Comme vous le dites si bien, il s'agit pas d'un chien. Ok, bah on va... Je sais même pas si on a besoin de faire la combo, mais on va le faire. Allez, combo. Des walkers. Elle est facile à mettre, hein. Mais il est déjà mort, on n'aura même pas besoin de l'achever. Je crois qu'on va très bien s'entendre, Blade. Bon, je suis quand même déçu d'avoir perdu Hunter, toi, hein. Au moins, on a fait plus d'XP pour les autres, quoi. C'est pas si mal. 39 infos. Ouais, fais la maligne, tu vois. Sur l'image, elle est devant et tout, elle fait la maligne. Ouais, elle s'est surtout crachée, ouais. Tour 1, elle est tombée. On a perdu Hunter, tour 1. Nul. Bon allez, on skip. On a chopé le Barguest. On a gagné de l'amitié. Waouh, impressionnant. Dommage qu'on puisse pas l'entraîner. Patience. Si on est assez désespéré, je suis sûr que quelqu'un va essayer. C'est vrai qu'avec ses 1500 points de vie, c'est un mini Hulk, hein. C'est un mini Hulk. On va chercher un bonus de combat. Alors oui, c'est l'équivalent d'un combat, mais vu que ça a été vite, on va essayer d'aller en faire un autre. Je pense que... Ah, on peut pas se téléporter. Probablement un événement. Voilà, ok. Et donc là, on devrait probablement leur parler. Hop. Épique. On récupère les petites pastilles qu'on a pas ramassées. Oh joli, des essences. On aime. Faut qu'on passe Nico de level.
Si elle est toujours pas level 25. Oups. Laboratoire, on verra deux journées. Là, il y a le méchant. Ah bah non, c'est bon. Ouais, faudra attendre le matin, je pense. Ok. Il devrait rester deux pastilles à trouver. En haut, peut-être. Ah bah là, j'en vois une. Ok, deux techniques. Eh bah, c'était pas mal. J'ai raté. Ah, elle est là. C'est quoi les crédits? Eh ben voilà, parfait. Bonjour. Deux attaques, deux héroïques, des crédits. On n'a pas de clé. On va aller dodo. Salut. On n'a pas d'artefact, hein. Non. Par contre, on va avoir on va avoir plein de missions secondaires où on va avoir des cartes qu'on va pouvoir aller gratter là. Donc ça c'est pas mal parce que ça rapporte beaucoup en vrai, hein, les caches d'infos. On va aider Caretaker. Non. Ah, on peut aider Caretaker ? Je peux te demander un service. Okay. Ténacité de Hunter. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'il faut? Ouvrir un coffre arcanique. Ah. Merci, Hunter. Donne-moi une clé. On n'a pas de clé. Ouais, comment je fais? Sans clé. Ah, on va ouvrir un bleu. Oui, ok. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? 19 crédits de Charlie, c'est beau. On n'a pas ramassé de trucs. Fiole d'ombre, on a dû l'utiliser du coup la fiole d'ombre, non? Bon, on s'en fout. On peut pas aller en mission, oui, parce qu'on a plein de trucs à faire, mais on peut finir tous les autres trucs avant. Interface du shield, il nous demande 44 d'infos pour 60 crédits. On peut pas vendre ça. Hors de question. Noyau gamma épique, ouh, on a 540, on pourrait, hein. Oh, allez, je me le paye. Je me le paye, je sais qu'on doit payer 250, mais on a réussi à avoir plein de sous. Hein. Alors, oh, crise d'adolescence? Quoi? Petit problème, petite solution. Alors, vous voyez, je vous avais dit, si on a une carte commune, on pourrait envoyer un tel. Et ce un tel, je me souviens plus du tout de qui ça, je parlais. Truc muche, le tueur de Plougville, la main sur le cœur. J'aimais bien lire les trucs ça. Je pense qu'ils ont tiré directement de... Daredevil nous a contacté, la main sur le cœur, ok, truc muche, les employés municipaux, hein, des bruits mécaniques. Lors d'une inspection de tunnel de maintenance sous le pont de Brooklyn, il est donc... Hein. Bah là, on pourrait aller voir c'est quoi. Est-ce que c'est des sentinelles? Est-ce que c'est des trucs mécaniques d'Hydra? Est-ce que... Ouais, ça peut être plein de trucs en vrai. Crise d'adolescence, pourquoi une secte sataniste irait recruter de nouveaux adeptes à New York en plein apocalypse? Le fils d'un client de Jones a été recruté par la secte Demon Fire. Ok, donc Jessica Jones qui nous demande de l'aider. Une ado qui a fuité ou quoi? Petit problème, petite solution, bah c'est la guêpe, ok. La fille de Pim. Pim, c'est celui qui a le rayon réducteur. Je crois que c'est sa fille. La guêpe. Truc muche. Ou c'est la fille de Ant-Man. Ah, je sais plus. Ok. Donc on en a une qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite, mais les autres vont expirer bientôt. Donc on va envoyer Chris d'adolescence, un Avenger. Un Avenger qui a besoin de cartes communes. S'il y avait des bleus dans notre équipe, je vous dirais de les laisser se faire les dents là-bas. Écoutez, on va ressortir de là, on va regarder les compétences, vite fait. Alors, Avenger. Les coups de poing, la poignée de main, non. Elle a rien à récupérer, elle a déjà les coups de genou. Après, on peut avoir de meilleures capacités sur ses coups de genou. Étourdissement, piocher une carte en cas d'élimination. Non, je crois pas qu'on ait mieux que ça. Avenger, t'es Avenger, toi? Non, t'es pas Avenger, toi. Toi, t'es Avenger. Toi, tir de laser rapide. Ah, on pourrait avoir des améliorés directs. Ce qui ferait plus de choix, éventuellement.
Avenger, t'es pas Avenger toi d'ailleurs? Ah non, pas encore. Mais on a déjà la carte, donc pas besoin. Logan, non. Logan n'est pas Avenger. Il a fait partie de quasiment tous les groupes, Logan. Hein. Quasiment tous les groupes. Excalibur. Tous les groupes Marvel, sauf peut-être Avenger. Mais absolument tous, il a fait partie. Parce qu'il est toujours là de passage pour donner un coup de main, en gros. Hein. Je regarde le profil, mais elle est mutant Mystic Midnight Sun, on est d'accord? Rien à voir avec les Avengers. Et lui, ah bah oui, lui est Avenger. Technique Avenger. Carte base de Hulk. Je suis pas sûr. Hein. Les scrabouilles, on pourrait avoir d'autres trucs. On a quoi? Repiocher. Et on a quoi? Dégâts augmentés. Ah! Il fait plus de dégâts ou alors il repioche. Mais le repiocher, on pourrait le virer. Ouais, c'est Hulk qu'on va envoyer là-bas. Hop. Opération héroïque. Crise d'adolescence. Hulk. Hulk qui va gérer un problème avec Jessica Jones. Ça va être technique. Ouais, il va y aller en banner, je pense. Je peux faire ça pour toi. Alors, Trucmuche le tueur de Plouqueville. On va envoyer un tactique. Carte bleue. C'est facile d'envoyer ses amis au combat. Mais on savait tous dans quoi on s'engageait. On en a deux, on en a une, on en a deux. Ouais, on pourrait voir les différentes versions de ces cartes à lui. D'un autre côté, technique, ça peut être Spider-Man. Ça peut être Logan tactique. Hein. Logan, carte bleue, bof. Ah, on pourrait envoyer Venom. Parce qu'on sait pas s'il a d'autres cartes ou pas, après tout. Allez, on envoie Venom. On peut pas en envoyer d'autres. Ouais, ok. Il nous restera 137. Je pense qu'on a large pour tout envoyer et avoir un bon rab, hein, là. Pour le coup. C'est moi qu'elle appelle l'ancêtre. Ah bah oui. Légendaire. Ah, Runaways. C'est Nico qu'on voit là. Ok, on prend. J'ai une chouette image avec la même coupe de Nico. Duel quotidien. Clé arcanique. Oh, bah ça tombe bien. On en a besoin pour remplir la quête de. Mais on va pas l'utiliser. Hein. Chance de critique, XP d'amitié. Chance de critique, XP d'amitié. Donc on va la donner à quelqu'un qui a déjà un bonus. Parce que ça donne pas de bonus. Évidemment, tous ceux qui ont un bonus, on peut pas les envoyer à part Captain. Mais le chance de critique, on s'en fout sur elle. Donc on va envoyer sur quelqu'un qu'on a besoin d'XP d'amitié. Peut-être Morbius. Non, ça suffira pas 3 points, je crois pas. Logan. Bah, Logan, c'est pareil. Mais chance de critique sur Logan, ouais. Même si c'est un tank. On veut qu'il reste au taquet en dégâts. Voilà. Hop. On va aller à la forge. Comme ça, on va régler le problème du barguest. Je dois avouer que je n'étais pas. Ah, mais c'est l'armure, l'armure démoniaque. Je t'ai vu le caresser ce matin. Tu viens plaindre du plan de Strange? J'ai fait de mon mieux pour rester. Tu ne crois pas? Non, c'est vrai. Lui, oui, c'est. Ok, elle est pas contente. Parce qu'on traumatise des chiens démons. Cette créature est très. Que fait? C'est à vous. Ne lui faites pas de mal, débarrassez-vous-en. Elle vient des enfers. Comme vous voudrez. Hop, alors. Salle de péril améliorée. Enfant démoniaque. Ok, donc on peut créer grâce au truc. L'armure, on va le faire. Hein. Analyse de noyau. Tu n'as toujours pas réussi à sauver le monde ? Parfois, je m'impressionne moi-même. Alors, méditation astrale de base, on s'en fout. Retranchement, confère guérison après repioche. Intéressant. Confère résistance après repioche sur les bandes pourpres de Sithorak alors qu'on n'a qu'une version normale de bande pourpre. Je dirais que c'est pas mal.
mais du coup on l'utilisera jamais. En fait, je pense que sur bande pourpre de Sitorak, il nous faudrait vulnérable. Comme ça, on fait entrave vulnérable. Et ça donnera envie de le lancer. Je vous assure que ça donnera envie parce que avec l'entrave, en plus, on sait qu'il est immobilisé, on lui tabassera dessus. Mais là, si jamais on met résistance, on l'utilisera plus jamais. Hein. Donc autant pas le mettre dans le deck. Mais bon, d'un autre côté, on aime bien les résistances, donc voilà. Le Kourou, la meilleure défense. Alors la meilleure défense, je vais quand même vérifier, mais... la meilleure défense, on l'a en sup, hein, déjà. Le Kourou... on va relancer... guérison, j'aime bien aussi, hein. On va relancer la méditation. Hop. Soin, inflige résistance 2. Je suis en train de cligner des yeux, là. What the fuck? Quoi? Non, parce que on a un soin, nous, qui fait piocher deux cartes, et on trouve ça badass. Mais un soin qui met deux résistances, c'est pas incroyable aussi? On soigne le gars et on lui met deux résistes, c'est-à-dire les deux prochains coups, il les prévoit. Enfin, à part sur les boss. Mais sur les boss, on vient de lui soigner 480 points de vie, donc... Waouh. Et là, attendez, c'est en normal en plus. En supérieur. Ah non, piocher deux cartes. Charlie a laissé un noyau fumant dans le couloir. Mais alors c'est quoi l'autre qu'on a nous? C'est guérison, non? Il y en a un qui ferait guérison, l'autre qui ferait résistance 2. Je suis obligé de prendre ça. Hein. Je suis obligé, c'est quoi? C'est tellement abusé. Mais c'est une carte de base. Non, ça m'énerve là. Ça veut dire qu'on peut avoir résistance 2, on pourrait en créer de base et puis faire ça. Mais là, on l'a, elle est prête et tout. Hein. Monte voir le deck qu'on a. Ouais, donc on a un soin. Est-ce qu'on pourrait avoir deux soins dans ce deck? Il y a un monde où on joue avec deux soins? Parce que fortification, deux résistes, ça me paraît bien. Hein. Ouais, fortif, ça met la riposte. L'étincelle sacrée peut sauter, mais pour mettre un deuxième soin, ça paraît... Ça paraît dangereux. Résistance après repioche. Ouais, on va prendre ça. Hein. On va prendre ça. Bon, c'est triste parce qu'on perd vraiment des grosses cartes pour deux cartes de merde. Mais c'est difficile d'avoir les bonnes capacités qu'on veut et tout. Hein. Donc quand on tombe dessus, on va pas non plus cracher dessus. Attention. Ah, attention, on l'avait pas. Ah oui, il y a ça chez Iron Man. Il est bien ce sort. Acculement. Acculement avec je sais pas ce qu'on a nous. Mais 3 d'héroïsme c'est vachement cool hein. Implacable en cas d'élimination. Mais je crois que c'est exactement ce qu'on a. Mais c'est vachement cool hein. Résistance 1 et Kourou ça serait bien à détruire. Mais je dois vérifier ça. Et ça on le veut sur Iron Man. Donc voilà. On a dit qu'on privilégiait tout le temps les cartes qu'on a l'utilité hein. Même si je pourrais les créer et garder les essences. Alors, vérifions ça. Mon soin à moi, il fait quoi? Inflige résistance 1. Non, mais c'est exactement le même, en fait. Sauf que là, il donne 2 de résistance. Au lieu d'un. Oui, donc tu dégages et tu mets 2 résistances. Et évidemment, il faut le payer. Hein. Mais du coup, est-ce que je mets les 2 soins? Celui-là me paraît moins bien maintenant, vu qu'il a que 1 de résistance, vous voyez, mais il est quand même super cheaté. Ou alors, je garde qu'un soin, je garde que celui-là. C'est sympa, hein. Le Torvesprit, à un moment donné, on va décider de le virer. Et normalement, on est censé pas mettre le sans-pitié, mais si on n'a pas le choix, on mettra le sans-pitié. On est censé mettre l'attaque ultime, là, qui fait invulnérable sur Hunter. Parce qu'elle peut résister au vulnérable, parce qu'on est en train de la booster en résistance. Vous voyez ? Donc avoir une attaque qui tape à 500, ça sera très bien. Mais on pouvait aussi mettre la frappe gardienne pour avoir de l'armure. Comme ça, avec fortification, frappe gardienne et des soins éventuels avec des résistes, on peut en mono, on peut être invulnérable, quoi, en gros. Hein. On se soigne, on se booste, on se soigne, on se booste. Et on riposte. L'ultime vision, l'intègre rapide et l'étincelle sacrée. Normalement, l'étincelle sacrée va sortir. Parce que c'est camouflage, mais on a l'ultime vision pour ça. Et c'était rapide, juste pour avoir un truc. Mais on a une rapide. On va pas en avoir deux. Mais là, on devait faire rentrer bah, la deuxième carte. Voilà. Et là, on devait avoir ce deck. Environ. Et ce deck, il est pas mal. Mais pas un sans pitié. Hein.
Encore que le sans-pitié est pas si mal, en vrai, en vrai. Parce que 644 de bonus aux dégâts, voilà, hein, je vous laisse imaginer quand on l'aura en sup. Mais du coup, ça serait comme ça et on met pas la carte d'attaque. On aurait deux soins qui mettent de la résiste et qui font piocher deux cartes. Ne pas oublier que les pioches de cartes, finalement, ça nous fait tourner les decks. Donc, ça nous fait repiocher les autres cartes. Donc, c'est pas très grave quand t'as une carte qui te fait ça, quoi. Donc, je me dis que c'est pas mal. Bon, pour le moment, je pense qu'on va rester comme ça. Et au lieu de la frappe gardienne. Ah, on pourrait mettre la frappe gardienne au lieu de l'autre. C'est vrai que quand on élimine, ça fait du bloc. Ouais, mais en ce moment, on n'utilise pas le bloc. À chaque fois, soit on devient invisible, soit on fait en sorte de survivre. Quoique, elle s'est fait défoncer au dernier. C'est un mauvais exemple, mais oui. On va garder l'autre soin. On va mettre celui-là et on va le payer. On peut le payer sans avoir besoin de carte. Alors, par contre, on a eu quoi d'autre? On a eu ça. Alors, les bandes pourpres qui donnent résistance alors qu'on n'a rien, mais il faut qu'on les upgrade celles-là. Donc, on va quand même le mettre pour le moment. Mais vous voyez, on pourrait très bien décider de le virer, ça. Ces bandes pourpres-là, je veux les améliorer avant de les détruire. Ce qui est un peu du gâchis, mais bon. Si on tape sur un bon truc. Deux résistances sur vos pioches. Non, ça m'étonnerait que ça donne ça. L'attention, ouais, ça faut le faire rentrer, hein, absolument. Je pense que c'est le tir de laser qui saute. En cas d'élimination, plus 2 points d'héroïsme, c'est vraiment cool, hein. Mais. Ouais, parce que ça crée 3 hein, sur un seul tir. Les deux tirs rapides, on les a toujours pas améliorés. Les laissez-moi faire sont trop bien. Le marquage de cible, j'aime bien. La chirurgicale aussi. Et la supériorité. De toute façon, il y en a une qui doit sauter, quoi qu'il arrive, quand il aura son ultimate. Mais je pense que le tir de laser, il n'y a pas photo. Allez, on met la tension et on vire ça. Alors ça, des fois, ça marche pas. Et là, ça marche. Ok. Morbius. Acculement. Donc, regardons ce qu'il avait. Confère résistance après repioche. Ok. Ok. J'aime bien les deux. J'aime bien l'idée d'avoir plein d'héroïsme, parce que lui a plein de cartes qui en bouffent. J'aime bien l'idée d'avoir de la riposte. Mais je pense que je peux pas virer la griffe pour mettre un deuxième acculement. Griffe rapide, acculement, acculement, forme brumeuse, frappe des ombres, écho, lock, soif. Ça irait très bien avec un perso support, mais qui attend que les autres créent de l'énergie pour lui. Mais les acculements le permettent de tanker. Mais le problème, c'est que ça lui permet pas vraiment de tanker. Pas les boss, en tout cas. Ça lui permet de tanker les sbires. Ce qui est pas la même chose, hein. Et la griffe, par contre, sera un peu mieux contre les boss. Ouais, non, je crois que je vais faire ça. Parce qu'il y a le saignement intégré. On va détruire celle-là. Ok, tant pis. Elle est pas mieux. On la met pas, tant pis. Hop, qui d'autre? On a eu d'autres cartes, non? Non. Slider. Ouais, bon, on a des gens à les modifier. L'impression d'oublier quelque chose. Oh, il y a monsieur avec ses trucs. Attendez, on va d'abord acheter le truc à 250. C'est dans la forge? Oui, c'est la forge, c'est le machin là-bas. Alors, poste de travail, il me restera que 50. Oh, mais comment j'ai réussi à dépenser tous mes sous à cause du foutu noyau qui nous a donné 2 cartes de merde, hein. Enfin bon. Il faut qu'on fasse d'abord Morbius. Combien ça coûte? 25, 40 et 30, 70. Bah non, on pourra pas acheter l'autre. Alors, force. Augmente la distance de propulsion contre du blocage. Donc ça va parce que blocage, ils en ont pas, ceux qui ont besoin de propulser. On va rester sur Spidey. Cette science est très complexe. On peut aussi propulser sur Ghost Rider. Alors, dégâts critiques contre de la force.
Tous nos DPS en ont besoin de ça. Dégâts critiques, lui il fait énormément de critiques. Hulk. Deadpool. Deadpool, ça le rendrait un peu meilleur. Blade. Ah, Blade, j'aime bien. Ouais, mais bon, il est basé surtout sur le saignement en vrai. Même si c'est sympa sur lui, hein. Magic a pas beaucoup. Ça pourrait être intéressant parce que. Mais elle fait tous ses dégâts par un portail, donc je pense que dégâts critiques, non, pareil. Tornade. Tornade, les petites attaques. Je sais, c'est un comble pour un médecin. Fois X. Ouais, allez, pourquoi pas. Puissance. Augmente la portée des capacités de zone contre le bonus de dégâts ou critique. Ah non. Captain. Ça augmentera son lancer de bouclier, la taille. Sur Logan, ça augmenterait son sniffer. Ça peut augmenter peut-être sa... son rayon. Non, je pense pas que ça augmente les rayons. Hein. Lui pour sa grenade. Ah mais là c'est dommage parce que toutes ses attaques seraient pénalisées. Là-haut, bah évidemment il y a la sorcière. Et le pire c'est que la sorcière fait des AOE mais pas des dégâts d'AOE. Donc augmenter ses zones, vous voyez, même en réduisant les dégâts critiques, c'est pas catastrophique. Hein. Elle a 60, se passer à 55, c'est ok. Mais je me dis. Ouais, c'est sur la sorcière que c'est le moins choquant, je dirais, pour le moment. C'est exactement à ça. Ténacité, résister aux effets de statut contre de la portée des capacités de zone. Ouais, bon, voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est sur Hunter. On réduit la puissance. Pour avoir de la ténacité supplémentaire. Mais on gagne 10 pour 5, hein, donc on s'en fout. Voilà, 36,4. Alors, amélioration de la cour. 200, à la limite on peut faire ça, mais il faut être sûr. Allons-y. Alors, le soin, oui. Ok, on a un soin pété. Les bandes pour... Ah mais non, ça fait vulnérabilité de base. Du coup... Oh là là, je sais pas. Ouais, parce que sur repioche, du coup... Ouais, faut qu'on augmente l'autre, on verra après. Flagellation, qui devient rapide, oui, ça c'est ultra important. J'aime bien parce qu'il est jamais en middle, lui. Hein. Il est toujours à fond. Hein. L'esprit de la vengeance. Étreinte mortelle, on l'a toujours pas upé. Hein. Ouais, c'est juste pour augmenter de 60 les dégâts. De 58. Combien 90 attaques, il nous manque 70. Ok. Ce qui m'embête, c'est qu'on a certaines cartes. Si jamais on fait les modifs et qu'on compare, on peut les détruire. Éclair de Baltac, bande pourbre de Sitorak, bah non, on peut tester aucun des deux. De temps en temps. Ouais, c'est dommage. On pourrait changer cerveau savoureux. Saignement, vol de vie. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas besoin du saignement, en vrai. Sur une grosse attaque qui tue comme ça. Coup décisif, élimination, non, ça c'est bien. Un héroïsme sur repioche, c'est pas super, mais vous voyez, j'aime pas faire les augmentations comme ça parce que ça bouffe vraiment les sous, hein, par contre. Coup de pied rapide, 50, ok. Ouais, y a rien qu'on va pouvoir améliorer en gros, hein. Héroïsme ou technique, mais. Quand tu voudras t'y mettre. Ok. Est-ce qu'on améliore la cour du coup? On a déjà fait le duel. Et il nous manque 20 pour améliorer l'autre truc. Ouais, mais on va se retrouver encore dans la merde en sous. On va devoir refaire une mission sous. C'est... En fait, on a toujours besoin de sous. Salle du péril. Ok.
putain, c'est... Salut. Allez, on a un cercle. Un star qui se lâche hein, sur les objets tech et mélangé à la magie. Parce que c'est un portail à la base, le bordel. Non, ah oui, mais il marche plus du coup. Comment que ça marche? Je crois que j'ai cassé la salle du péril. Je l'ai cassé. Ah non. Alors, salle du péril améliorée. Donc là, on peut mettre les méchants. On peut mettre Venom déchu, on peut mettre Sin, Dracula. On peut s'entraîner en fait avec les crossbones et tout ça. Ok, c'est cool. Niveau de la mission, on peut mettre la niveau. Ok, normal, difficile, facile. On peut préparer contre des vampires, des sans-âmes. On peut choisir qui on combat. Donc, techniquement, on peut prendre des sans-âmes, ultime 3, niveau 1, un seul héros. On peut faire un truc comme ça, hein, sans âme. Niveau de la mission, on peut laisser, on peut mettre en facile et aucun. Ouais, on va faire ça. On va envoyer Nico pour faire son dernier level. C'est la seule qui est pas level 25. Comme ça, on va gratter un petit truc. On va lui mettre domination. On va lui mettre les lilins. Non, c'est pas les lilins. C'est des sans âme. On va lui mettre en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui aurait de bien? Totem de fureur, voilà, oui, ça c'est fantastique. Et le dernier. On peut doubler les cartes qu'on a en main, mais non, on aura à l'infini nos cartes. Hein. La rune d'agressivité contre, on s'en fout. Fiole d'ombre, atamé. Ouais, à la limite, atamé. Ouais. De toute façon, on les dépense pas. Hein. Normalement, le troisième que je mets, c'est les 4 points d'héroïsme de base, qui donnent vulnérable. Vu que la potion donne vulnérable aussi, on s'en fout. Mais on en a plus des trucs qui donnent 4 d'héroïsme. Donc là, ouais, c'est bien comme d'habitude. Aucun problème à signaler pour l'instant. Enfin, ça y ressemble en tout cas. Alors, on va les affaiblir un peu parce que les premiers sorts vont être difficiles. Mais on a la potion. Ça fonctionne en général. Je suis invincible maintenant. Le totem de fureur, bien sûr. Ça rajoute une carte, même sur les gens qui n'en donnent pas d'habitude. Le 100%, le bûcher. Alors le bûcher est même pas amélioré, donc on a que deux cibles. Hein. En gros, si je l'utilise, là, 500 de dégâts. Est-ce qu'on tue les gros? Non, ils ont 800 points de vie, donc il y a une chance que ça rate. Voilà, ça a raté. Donc là, ça nous a bouffé une action. Ça ne vous suffisait pas de jouer les fascistes? Il a fallu que vous décidiez de vouer un culte à ces démons. Capacité héroïque. On peut doubler notre tempête de sorcellerie critique. On gagnerait 2 points d'héroïsme. Malédiction, confère un point d'héroïsme après repioche. C'est très tentant de la repiocher. Bon, d'un autre côté, on va commencer à éliminer un peu. Magie du sang contre, tu dégages, duplication, résistance après repioche, capacité technique, alors on aurait restauration duplication, donc non, oui toi tu dégages, magie du sang, hâte ça réduit les coûts, ouais, et ben on n'est pas très bien, tempête de sorcellerie. Oh, on touchera forcément l'autre. Ouais, mais dans le doute. Sinon, je l'ai fait exploser, hein, simplement. Mais... Ouais, la tempête de sorcellerie, on va la faire ici. On pourrait tuer 342. Ah, mais 342 le tic. Oh mon dieu, mais on peut prendre un gros.
300, 300, 300, ça tue le gros et ça tue l'autre. Donc ça tue les deux. Regardez bien. Oh ouais, elle fait mal là, la tempête. Voilà, on va refaire le bûcher, même si c'est un peu risqué. Il nous reste deux actions, c'est bon. Voilà, elle est remboursée. La deux, normalement, c'est 4. Hein. Mais ce qui est bien avec le bûcher, c'est quand elle touche un petit qu'elle tue, et ensuite elle touche un gros qu'elle entame. Ça crée de l'héroïsme au passage. Voilà, là on a raté. Mais lui est à portée de bûcher maintenant. Donc on va juste vérifier. On va juste vérifier. 200, 600. Ouais, on peut rater le bûcher sur lui. Mais en gros, à part lui, c'est bon. 400, 400. À part lui, c'est bon. Donc on va faire une tempête de sorcellerie sur lui et son pote. On devrait pas se rater. Voilà, et là on est tranquille. L'avantage c'est que ça va vite. Bon, ça va plus vite quand ça touche 4 cibles. Hein, et il faudrait vraiment qu'on le mette en supérieur. Et là on va regarder si elle fait des XP. Si elle en fait pas, on stoppe le combat. Donc 2. Ah, pourquoi 2? Elle fait pas d'XP, hein. Je crois qu'elle fait pas d'XP. Quoi, vous croyez vraiment que vous aviez gagné? Ouais. Ok, je crois qu'on peut stopper là. On va juste finir le truc. J'espère qu'elle garde les XP si j'abandonne le combat. Je pense qu'elle garde les XP, hein. Il n'y a pas de raison qu'elle les ait pas pris. Mais vu qu'on en gagnait plus, ça sert à rien de finir. Il n'y a pas d'avantage, c'est juste une salle des dangers. Hein. Voilà, on vérifie quand même. On vérifie, 25. Voilà, elle a fait sa mission aujourd'hui. Les autres, ça sert à rien de le faire. Alors, ça sert à rien. Peut-être que tu gagnes des XP si tout le monde est level 25, mais je crois que c'est limité à 25. Après, tu peux le faire juste pour savoir si t'es capable de passer à tel ou tel groupe avec tel ou tel boss. Hein. Je sais pas si tu peux mettre plusieurs boss. Je crois pas. Ça serait rigolo en même temps. Non, tu peux pas parce que tu es obligé de sélectionner un dans la ligne seulement. Ok. Alors, ça c'est fait, on a fait Nico, on a fait un petit combat, on va essayer de se faire une mission quand même. Parce que même la salle des dangers a été rapide. On n'a plus beaucoup de bonus pour les grosses missions. Hein. Donc on va pas emmener des gens qui ont besoin d'informations, non. Ah, on a besoin des crédits mais pas à ce point. Pas au prix d'information parce que on aurait tout à refaire après. C'est pas important. Tout ça pour dire qu'elle est emballée. Alors, Nico, non. Cache d'info, pas besoin. Cache d'info nécessite l'enfant démoniaque, ok. Crédit épique, ah bah ça va être ça. Hein. New York. Artefact épique, ah artefact ça pourrait être cool. Et où le sang coule à flot. Ah, je peux tâter. Non, mais ça, c'est peut-être long, donc on va pas le faire. L'artefact contre-attaquer les forces d'Hydra, il nous nargue depuis un moment avec ça. Hein. Ouais, on va y aller. On va prendre Spidey.
Éliminer deux ennemis en un tour. Deux éclats, on s'en fout. Réduire la difficulté. Oh. Ça peut pas faire de mal, mais je vais pas dépenser des points pour ça. Hein. Franchement, les crédits peut-être. Remplira la jauge d'âme deux fois. Des crédits supplémentaires, ok. C'est ça qu'on va faire. C'est quoi? Ajouter une récompense? Des crédits encore? Ok. Ok, on aura des crédits donc, si j'ai bien compris. Il faut qu'on remplisse de la jauge de... deux fois, ok. On prend Hunter quand même. J'hésite à lui mettre le double soin, hein, franchement, sur Hunter. Parce que résistance, plus piocher des cartes, plus soigner. Oh là là. Mon dieu, que ça pique. Logan. Allez, Logan, ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé en tank, mais on... si on veut vite éliminer, faudrait qu'on fasse comme la dernière fois. Soit qu'on prenne, vous voyez, un support qui aille bien avec lui. Non, Nico, elle est pas encore prête pour ses cartes. Mais c'est un moyen d'avoir ses cartes, hein, de l'emmener en combat. On l'avait pas envoyé en mission, lui, d'ailleurs. Pourquoi on a le droit de le jouer? Ah non, on a envoyé Hulk, du coup. Ah oui, Hulk et Venom. Prenons Deadpool. Parce qu'on le joue pas assez, ok. Attendez, on prend celui qui a le moins d'XP global. 2-2. Alors pourquoi, vous voyez là, le petit 1 doré qui est en dessous du nom, c'est le nombre de levels qu'il a en plus. Mais pourquoi Nico, elle est passée à 2 direct? Vous voyez, 2, 3, 1, 2. Et quand on prend quelqu'un qu'on a beaucoup joué, comme Morbius, on est à 4. Ou alors c'est le numéro des DLC, j'en sais rien. Mais quand on prend Hunter, elle est à 26, donc je me dis, c'est logique, quoi. Iron Man, ah ouais, il est à 25 piles, lui. Et elle est déjà à 2. Ah bah, je comprends pas. No comprendo. C'est pas grave, prenons Iron Man alors, du coup. Ouais, prenons Iron Man, ça l'augmentera, et puis il fera toujours des DPS. De toute façon, c'est cheaté avec Iron Man. On peut quasiment pas se rater, hein. Alors, on va prendre... faut qu'on fasse un maximum de dégâts. Donc, on veut un taunt pour pas être sûr. Voilà, et on va mettre une amulette chaîne de fer. Ok. C'est pas forcément le mieux, hein, ce qu'on a là. Pas de boost. Difficulté normale. Cercle d'invocation. C'est pas ce que je pensais. Oui, c'est vrai qu'on a changé de mission. Mais il y a plein de sous à se faire, il faut qu'on fasse un maximum de ça. Ok. On va se gaffe que ça aille pas trop vite, qu'on ait bien rempli toutes les conditions pour les cadeaux, mais normalement c'est bon. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas se faire tuer Hunter ou Iron Man dès le début, bêtement. Surtout ça. Surtout ça. Trois invocatrices, un tank, des trucs à d'Hydra. Ouais, on connaît la routine. Il faut les arrêter. C'est là où le Torb Esprit est vraiment cool sur le protecteur. Hein. Parce qu'en plus, il peut taper sur les filles. Retarder l'invocation, je m'en occupe. Retarder l'invocation, on l'a jamais vu cette carte. Alors, vengeance, laissez-moi, attention. Ah oui, on l'a pas upgradé. Oh là là. On a une belle AOE. J'aime bien parce que le vengeance est déjà sacrément sympa là. Ah. Si on avait pu le jeter dans le trou. L'entaille rapide. On a le petit sur le gros. En fait, vaut mieux le gros sur un petit. Et on a pas mal de cartes Iron Man. On peut même en rajouter. En mettant de la hâte, ça coûterait moins cher. Ouais, on peut commencer par ça. Exactement ce dont j'avais besoin. Marquage de cible, qu'on va repiocher. Je joue tout à la une main, là.
Piocher une carte, marque sur les ennemis à proximité. Je dirais qu'il faut le mettre là. Ou là. Mettre vulnérable sur le chien qui a pas de points de vie. Non, il a des points de vie. Ah si, il a des points de vie le chien, 500. Ah ok, ça me va. Mais là, on s'est bouffé nos actions hein, quand même. Alors, ça va, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour tuer. N'importe lequel de ces trucs. Alors, retarde le rituel d'invocation d'un tour. Alors, Hunter, Ghost. Le chien, c'est pas mal. Le vire-lame, est-ce qu'on pourrait faire un carton complet, là? Là, on tue le chien. En l'envoyant... Ah bah non, le chien, il a... non, il avait pas de point de vie, c'est bien ce que je disais. Je vais essayer d'envoyer un des gros dans le... sur une des invocatrices. Donc, de toute façon, elle est remboursée, là. Hein. Interrompu. Dédoublé. Va te mettre là-bas, voilà. Si on a des enchaînements, ça sera là-bas. On a le Torve Esprit. Ok. Lenteille rapide. Bah, lui sur elle. Bon, elle était rapide grâce aux marques, hein, donc on n'avait pas besoin, mais. Mais là, c'est cadeau. On a un. Je m'en occupe. Confère blocage et contre, inflige provocation à tous les ennemis. On peut tuer Hunter encore une fois. Avec ça. On peut tuer Hunter. La grosse explosion à la main. Ouais, mais bon. C'était bien quand c'était tout paqué, maintenant c'est bordélique. On peut pousser elle dans le trou, 51%. Il nous reste qu'un point d'action. Ah ouais. Si je fais le je m'en occupe, je pense que 325 de blocage, si tout le monde lui tape dessus, c'est mort. Hein. Elle éclate. Donc les seuls qu'on peut tuer, c'est ceux qui ont la marque. Ça, c'était quelque chose. Ok, on peut retarder l'invocation. Ah, mais c'est gratuit. C'est gratuit, donc on aurait une autre action derrière. Ok, on va faire le Torve Esprit sur lui. Et selon ce qui tue, on verra si on taunte tout le monde ou pas. Parce que riposter sur tout le monde, ça serait cool quand même. Alors, tape sur le plus proche, s'il te plaît. Parfait. Oui, mais non. En fait, c'était pas sur elle qu'on voulait, mais c'est pas grave. Ouais, parce que si on les taunte maintenant, c'est l'enfer absolu. 2 hein. Sur lui, il a 700 points de vie, il va tenir. Les deux là vont pas faire de trucs bizarres. Ouais. Voilà, on va faire ça. Je vais balancer un truc sur la tête. Si je la dédouble, on va risquer de prendre une attaque supplémentaire, ce qui est pas forcément génial. Et ça, on peut s'en servir pour pousser elle dehors. Lui, il est pas en bouclier là, on pourrait le pousser aussi. Hein. 29%, ou alors je le pousse sur sa copine. 29% de chance de le tuer. Allez. Non, il est pas tombé. Il était déjà sur lui. Hein. Dommage, ça aurait pu être sympa. On va pousser elle dans le trou, 67%. Et on aurait pu tuer les sbires, mais ils vont pas faire si mal. On va repiocher l'air ride.
J'aimerais bien garder le jugement, mais bon. On va tellement perdre de points de vie que je pense qu'on peut le virer. Frappe chirurgicale. Si on avait... On aurait eu une résistance là, si jamais j'avais gardé. Ah, le résistance sur pioche, mais on l'aurait défaussé, vous voyez, au lieu de la garder. Je crois qu'on aura rien d'autre. Ok, on a des combos héroïques. On peut défausser pour pousser un gars de plus. Ça peut être cool hein, de pousser un gars de plus. Oh, dommage. En fait, on aurait pu pousser lui sur lui et tuer les deux. Hein. Ce qui aurait été vachement cool. Sinon, on peut pousser quoi? On pourrait se déplacer pour pousser ça sur lui. Non, ça coûte 2. Sinon, on pourrait pousser avec Iron Man L peut-être dans le trou. Ouais, à la limite. Qu'est-ce qu'on défausse? Combo Hunter Iron Man. Ou combo Hunter Iron Man. C'est exactement la même carte. T'en as tué deux invocatrices en... Comme des sagouins. Hein. Alors, qui a besoin de tanker? On peut utiliser la fiole sur lui. Ou alors, simplement... La mulette chaîne fer, hein, on s'emmerde pas. Voilà, ça lui fait un peu d'armure. C'est pour ça que je les ai achetés. Et on garde le reste. À picoter, mais ça va. Alors, deux petits sbires, quelques renforts. Non, même pas de renforts. Ah, s'il n'y a pas de renforts, on est tranquille. Hein. Malgré le dédoublement. Il protège la petite. Ouais, mais là, il a plus vraiment de quoi la protéger. On ne perd pas le nord à ce que je vois. Ok. On peut l'utiliser la fortif. Vous avez remarqué que je l'utilise quasiment plus. Hein. Je l'utilise qu'en défausse à chaque fois parce que c'est gratos. Alors, on a. Non, c'est pas la bonne. C'est pas celle qui est marquée. On avait mis marquage 2. Ah, elle est là-bas. C'est celle qui est marquée. Merde, elle est isolée. Ok, c'est pas grave. On peut quand même tuer celle-là. En blessant les autres. Ça casse le bouclier. Point de vie augmenté. Et normalement il a chopé un truc de drain. Voilà, absorber les âmes. Très bien. Ce qui va pas suffire. Si, pour tuer des sbires. Il faudrait tuer le gars marqué, histoire de rembourser. Ou alors... On bouffe une action et on taunt avec... Ah oui, mais Hunter, elle a même pas gagné un résiste. Frappe chirurgicale qui stun. Je vais devoir la défausser. Non, mais ce que je peux faire, c'est... Je peux faire, je m'en occupe avec Fortif. Et on aurait 3 contre et on aurait pas mal d'armure, mais ils font trop mal les monstres. Si on fait ça, ils vont nous démonter. En fait, faut qu'on en élimine un gros paquet avant. C'est faisable, hein, mais il faut réussir à éliminer avant. La fureur, par contre, ouais, ça tue aucun des deux. Ça tuerait même pas ça. Il nous faudrait plus de cartes Iron Man. Ou alors, aller au combo. 550. Parce que là, on tuerait à 580, 580... Presque. Sinon, je tente Hunter. Hein. Je tente l'encaissement à fond. Est-ce que ça pourrait passer? Peut-être. Hein. Bon,
après, on peut toujours faire un absorber les âmes sur deux pour réduire un peu. Ouais. Alors, du coup, laquelle on n'utilisera pas, la fureur? Hop, tu dégages. Vengeance. En cas d'élimination, résistance. Ah, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut faire ça? Ou alors, on essaye de buter elle. Que ça soit gratuit. Non. Non, on va faire ça. On va tuer les deux là. Voilà, on en a tué deux de plus. On a augmenté des points de vie. On gagne un de résist. On a perdu le taunt de zone. On peut plus faire le truc. Il va mourir. Il nous a défaussé la mauvaise carte. Oui, j'avais pas pensé à la défausse, c'est vrai. Bon, bah Hunter. Ouais, parce que je voulais taunter, donc la lésion c'était pas un problème, mais maintenant ça devient un problème. Hein. On va enlever ça. Et on va devoir faire un absorber les âmes à la con pour qu'il ait une chance de survie. Je crois pas qu'il va y arriver. Hein. L'autre option, c'est de pousser un truc. Et ben non, on n'a pas de déplacement. Je peux taunter. Je peux taunter sur Hunter. Tout ce beau monde. Pas elle. Pas lui. Il y en aura deux qui taperont sur Iron Man. Ça devrait tenir. Et on met les trois sur Hunter. Je peux en laisser un sur... Parce qu'il y a le chien aussi qui va nous taper. Lilith vous envoie à l'abattoir. Une aide fortuite. Voilà, et on repioche une de ces trucs. Un peu plus douloureux que prévu. Hein. Ouais, la défausse de la carte, j'aurais dû la jouer avant, hein, c'est tout. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Mais normalement, ça va tenir. On devrait pas en mourir. J'aurais pu virer la lésion avant aussi pour éviter qu'il perde trop, mais bon. Je pensais vraiment qu'on allait taunter après, donc j'ai pas très bien réfléchi. C'est le résiste. Ok, il repart défendre. Ouais, c'est des feintes, hein, parce que il attaque quand même quelqu'un en restant en défense. C'est pas comme les autres boucliers qui font rien quand ils sont en défense. Ok, on y est. On repioche. On repioche, on laissez-moi faire pour que ça coûte moins cher. On peut laissez-moi faire encore pour une frappe chirurgicale. Ou alors je fais ça d'abord. Non, je crois qu'on y va comme ça d'abord. Alors, elle a perdu la protection, mais elle n'a pas été prise pour cible, étonnamment. Parce qu'elle était protégée. Tir de laser rapide. On a fait plein de repioches en faisant l'action. Hein. Mais on peut faire le multi-hit combo x5. Alors, un qui tue. Oh, on n'atteint pas. Oh, j'y crois pas. On n'atteint pas les autres. Bon, bah, on tue là, alors. Ah bah non. Comment qu'on fait? Ah ouais, c'est un peu tristoun. On peut pas tuer avec deux trucs là.
Non. Ça suffira pas. On régénérerait, mais... En lui mettant une caisse dans la gueule. Le jugement approche. L'heure. Tir de laser rapide. Bah non. Ça va être absorber les âmes x2. Ah mais j'ai qu'une action, voilà. Non, non, il faut que je fasse la frappe. Hein. Bah lui va taper sur lui du coup maintenant. Lui on peut le pousser dans le trou. Là on tue. Là on tue. Et là on l'empêche d'agir. Et éventuellement on la stun et là on tue. On aurait pu laisser sur Iron Man en gros. Au lieu de taper avec Mais je vais prendre Hunter, je vais essayer de pousser le gros. Je devais pas faire un truc pour gagner des sous supplémentaires. Merde, j'ai oublié. Mais c'est pas marqué, dis donc. Donc laser rapide. On remplace. Ah oui, merde. Chiotte. Blocage après repioche. Hunter. Est-ce qu'elle peut nous faire quelque chose? Elle peut encaisser déjà? Ouais, elle peut encaisser, elle a une résistance. On peut pas faire de dégâts. Ça coûte 2 à activer. Chiotte. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Soin, résistance. Il va prendre combien? 391, c'est possible qu'il en meure pas, hein. Mais en fait, là, si on avait 2 déplacements, on pourrait déplacer un perso derrière et puis pousser dessus, et puis ça serait réglé, hein. Mais on ne peut pas. Ouais, c'est l'histoire du truc que j'ai pas enlevé. Qui revient nous hanter. Je vais quand même vérifier ça. Alors, on avait aussi le tuyau, mais ça coûte 2 aussi. On n'a pas de caisse, vu qu'on l'a utilisé. On l'a utilisé, mais ça suffisait pas pour un tir de laser. C'est quand même moche, hein. Ok, bon bah on va encaisser, hein, c'est tout. Attendez, l'objet. Ah, l'objet, ça aurait pu être le vulnérable, mais non. Ok, il est pas mort. Ok, on peut le soigner. Combo héroïque dans sa gueule à lui. Il va prendre une lésion. Non, c'est Hunter, c'est bon. On forme un duo de choc. On peut, même s'il prend des dégâts, on va pas pousser, hein. On va lui enlever la lésion et je vais lui faire le droit en enfer. Ou alors, ah, avec la propulsion peut-être. Non mais toujours pas, hein. Toujours pas, on tue lui, hein. Quelle honte. Il tape sur Iron Man. Oh, il va pas mourir Iron Man, il a combien? 57, 307. Eh mais c'est comme tout à l'heure, hein. On va repiocher des trucs. Virons la L-Ride. Non mais décidément ils veulent vraiment pas sauver Ils veulent vraiment pas se sauver les gens, hein. Ils piochent de la merde. Alors j'aurais pu faire la vulnérabilité Lila, enfin d'Hydra je veux dire, et ensuite lui faire le combo héroïque et on le tuait, hein. Mais là elle va invoquer sa grenade je pense. Là j'ai une propulsion mais qui tue pas du coup parce que j'ai pas d'impact. Oh, c'est tellement...
tellement pourri. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas comment on s'est débrouillé. Ghost Rider, bah, on n'a pas les deux points. Mais si je fais le droit en enfer, on l'aurait, mais on pourra plus l'utiliser. Et il va quand même mourir là-bas. Non, il va pas mourir. Ok, on va faire le droit en enfer, ce qui va nous donner les points d'héroïsme pour que lui pousse la caisse. Et on le rate de 1 pixel. C'est ballot, hein. Et on peut pas lui mettre celle-là non plus. Ah, c'est malheureux. Bon, ben tant pis. Espérons qu'il encaisse. Mais je crois qu'il a pile ce qu'il faut pas. C'est-à-dire trop peu. Non. Oh non, il résiste aussi à un pixel. comme Ghost. En fait, s'il l'avait projeté, c'était bon. Il a combien? Il a 9 points de vie restants. Bon bah je sais pas comment ils ont survécu les deux, mais c'est un coup de bol. On va enlever ça avant un accident. Et on va faire... Bah je crois qu'on peut le tuer au tir de laser là. Non alors je comprends pas, hein. Il a 19 d'armure, je lui enlève. Et il a 19 points de vie et... Je capte pas. Je le tue pas quoi, à chaque fois avec le tir de laser, qu'on m'explique. Vengeance, ça fait des dégâts. Ah mais il a régénéré, c'est bon. On aimerait bien en avoir un peu nous aussi. Ok, du coup jugement. Du coup, laissez-moi faire. Waouh, et on va la rater. À moins qu'on ait le combo héroïque, évidemment. On devrait tenter ça plus souvent. Facile, tout a été calculé au millimètre, au pixel près. Trois étoiles, ça veut dire qu'on est talentueux quand même. Alors, combien on a eu de crédits? Ouais, on a eu plein de crédits. Même pas tant sur le cadeau de base. Oui, c'était épique, c'était pas légendaire en crédit. Ouais, le seul truc dommage, c'est qu'on n'ait pas interrogé des gens d'Hydra. Plus de cadeaux avec ça. Donc là on est bien. On va stopper là. On reprendra notre prochaine fois. On a fait le bar guest, on aura l'armure. Donc dès qu'on va se coucher on aura l'armure. Et on pourra faire la mission principale. Je pense que c'est ce qu'on fera hein, parce que ça rapportera pas mal de trucs. Ou alors si vraiment on a envie plutôt d'avoir les essences pour améliorer nos decks, on ira faire la mission Blade et Ororo et des Dahlia dans les égouts de Morlock. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt.